un moment l'événement. C'est à peine que je suis rentré. Et puis, moi, quand je suis rentré, je suis vibré, je suis fait un bruit. Je suis allé me faire un petit bac. Je suis allé pour rentrer, pour me sortir. Mais quand il a fait un délan, il a plongé. Maintenant, moi, j'ai eu deux petits temps avec maman. Bon, j'ai eu un qui était mort sous place. Maman était à l'hôpital depuis hier soir. Et j'ai eu un matin qui était à l'hôpital hier soir. Je suis venu avec elle. Matin, j'ai eu un bac en année. Je suis retourné à l'hôpital avec elle encore. Le docteur a été presque mis en débat et m'a acheté pour lui, j'espère qu'il va le soigner matin là. Ou on a quelques étages. Et quand il a été en bas, il y a un autre partenaire qui était en l'air. C'est en l'air qui plongeait tout en bas ensemble. Oui, tout plongeait sur le monde. Pour le moment, le docteur a été pensé, peut-être qu'il était fan, il a été en bas jusqu'à présent. Parce que le docteur a été tellement grand pile mon nom, mais il n'y a pas de bail soin. C'est pensé, on pense tout le monde pour aujourd'hui, il a été tourné. Mais par rapport à ce qu'on a, il y a un petit peu de mourir. Bon, tout à fait bloqué en bas de la jusqu'à présent. Il y a beaucoup de monde qui parlait avec moi, beaucoup de monde. Le député a passé là, il était venu garder les bagages. Et puis il était bon la main, il était venu prêter en contact ensemble avec moi. C'est un petit peu de histoire. Puis accouché en bas votre main. L'aime temps de ton lave souqué. Me prend moi voyer sur épaule moi. Mais roche yo gèt tombé sous tête moi, yo tombé sous timoun yo, gen de timoun ki couche à terre. Le timoun yo couche à terre, m'longe pipiti a d'un deux voisins qui venir, m'longe pipiti a non bout mi ki tombé, porte la pas encore ouvri. Les porte la, l'aime fin longe, m'prend ti fi a, m'souke, m'level, ti garçon en lui-même, li gen on série bay ki tombé sous deux, il en fait noir, c'est râler m'râler pour sortir. Un moment l'événement, c'est à peine que je suis rentré et puis moi quand là pour rentrer, moi le vibre, moi fait un bruit. M'aller me font un bac, m'aller pour rentrer pour me sortir, mais quand il a bam délan vite au plonger. Maintenant moi j'ai eu deux petits temps avec maman yo. Bon, j'ai eu un qui était mort sous place. Maman était à l'hôpital depuis hier soir et j'ai eu un matin qui était à l'hôpital là hier soir, m'étais venu avec elle. Matin m'étais allé baisser en année, m'étais retourné à l'hôpital là avec elle encore. Docteur a été presque mis en débat et m'a acheté pour lui, j'espère que bal sur un matin là. Ou on a quelques étages. Et quand là c'est m'rété en bas, gon l'autre partenaire qui était en l'air. C'est en l'air qui plongeait tout en bas ensemble. Oui, tout plongeait sur le monde. Pour maman Konya, docteur a été pensé, peut-être qu'il était fan, gon côté moi la baisse jusqu'à présent. Parce que le docteur a été tellement grand pile mon nom, mais il n'y a pas de bail soin. C'est pensé, on pensait tout le monde pour aujourd'hui, il a été tourné. Mais par rapport à ce qu'on a, il y a un petit peu de bon, tout à fait bloqué en bas de la jusqu'à présent. Il y a beaucoup de monde qui parlait avec moi, beaucoup de monde. Le député a été passé là, il était venu garder les bagages. Et puis il était bon la main, il était venu prêter en contact ensemble avec moi. C'est un petit peu de bail. Chaque cicatrice qu'a fait.
Gros monde, il y a deux personnes qui ont perdu la vie et plusieurs qui ont écrasé d'après bilan protection civile mettez dehors. Une équipe télévision nationale d'Haïti a visité rue Salomon dans Gros monde. On suit. Et puis, bureau Première Dame République, là, on mettait sous pied yon cellule urgence pour capable assister et puis venir en aide à diverses familles qui frappaient dans le tremblement de terre ça dans le département nord-ouest, spécialement ville Port-de-Paix. Dans ce sens, diverses kits hygiène et kits alimentaires déjà distribués par plusieurs familles. Louinel Jean-Louis et Denis Jasmin étaient sous place en suivre. Téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, une autre fois encore, nous saluons. Jean nous dit déjà, nous sous place dans la ville Port-de-Paix pour nous faire vivre minute après minute, seconde après seconde, Jean situation a évolué après le tremblement de terre qui était passé, Jean nous tout connaît là, sous le pays d'Haïti, dans la nuit de samedi 6 octobre passé. Eh bien, après toute disposition qui prend déjà, bureau Première Dame République là, prend disposition pour appuyer, pour continuer à accompagner. D'accord, dit toutes les victimes dans la ville Port-de-Paix. Donc déjà, il y a une pile de distribution qui est en fait. Il y a plusieurs centaines de kits qui déjà distribués. Alors, un des kits qui est là-dedans, serviettes, savon, drap avec de l'eau colorée. Et puis, il y a une initiative tout pour pouvoir manger avec de l'eau par divers personnes qui sont victimes par cette situation. Dans ce sens, nous invitons tendez porte-parole de la présidence, Tamara Orion, qui t'a porté plus d'explications avec tous les quelques bénéficiaires donc qui t'a exprimé contentement. Nous invitons à suivre. Immédiatement, nous apprenons que Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, touché par le tremblement de terre, le président de la République là, instruit tout organe de l'État pour être capable de porter réponse. Et en advance, il y a une équipe au niveau du bureau président qui débarque sur le terrain pour venir regarder comment vous pouvez coordonner l'action sur le terrain. C'est ça qui explique la présence moi là depuis samedi soir. Donc, avec tout le monde, autorité locale, nous présents pour nous capables de regarder comment répondre. Et la première dame qui a épaulé le président de la République, surtout dans la question de la santé, déjà mettait une structure qui prendre en charge tout le monde qui est victime. Les gens qui ont besoin de premiers soins, parce que l'hôpital immaculé, Jean lié à les fissurés, les antigens pas répondent avec structure d'urgence côté Mounio Satéoye. Donc, pour, première dame, sous leadership avec plusieurs autres institutions, mettez structure ça dans le local Jessimani. Et nous, encore une fois, première dame, non, toujours dans côté la potée épaule à président de la République, non, distribuer tous des kits d'hygiène apparents maladieux, parce que ça crivait apparent maladie, il y a besoin de couverture, il y a besoin de serviettes et tout ça à joindre. Et côté Mkampé là, c'est encore des distributions FAES pour le faire. Pour les gens qui sont victimes, ils ont assistance humanitaire, côté par des kits d'hygiène, ils ont joindre de l'eau pour être capable de joindre un moyen pour être capable de répondre avec première réponse après essayer ça. Nous allons sur le terrain tout pour nous garder quantité de cas qui subit dommage. Qui côté moun ka yo krasé, qui côté yo yé. Est-ce que moun sa yo pral besoin un abri temporaire en attendant que gagne de l'autre disposition qui pral prendre au niveau l'état central là pour garder comment pral assister yo. Mais ça me veut toute population qui a garder me la connaît. Président Jovenel Moïse li prend courage à deux mains. Et là je dis président Jovenel Moïse dit que nous parer pour nous faire face avec toute qualité catastrophe là, ça veut dire qui ça? Ça veut dire jodi au niveau de structure DPTC à travers délégation départementale, tout gain équipement en main pour capable commencer déblayer, ça arrive gros monde. Donc au monde jodi a cap passer sous gros monde, on regarder complexité écrasé là depuis 3h du matin. Non, dimanche li commencer déblayer grâce avec matériel qui était sur route yo. Et c'est toujours même travail la cap fait. C'est vrai que connexion au département avec un lot li mande une quantité de temps 5 heures, 3 heures, 4 heures, ça permet que ou poko wè réponse aussi rapide. Mais réponse yo vini 2010 à 2018 façon que nous porter réponse yo
Et si on a bannou note, pense qu'il y a bannou plus note parce que je dis nous pas tant République dominicaine vinn aider nous déblayer, nous pas tant ONG vinn tant nous déblayer, nous pas tant ONG vinn bannou assistance, c'est l'état central là qui prend charge. Et depuis avant hier, depuis hier dimanche nous dans la rue, grand coup a bat nous soit fafa ou pas grand goût dans mais ou pas parer pour ça. Qu'on a regardé qui ça est gars ça fait pour nous, il vinn porter manger bon nous, il porter soin aille pour nous. N'a souhaité bon Dieu pour nous qu'embe plus ferme dans la prière. Pour l'avancer pour pied devant, m'apprécier ça en pile. Et puis merci en pile. Nous apprécier parce que nous pas de gain plus que hypothèse, nous devons accepter et nous devons recevoir à tout en patience notre. Depuis samedi soir, nous pas dormi, c'est sous pied nous n'a fait toute nuit nous. C'est la journée et puis nous bon route, n'a battna et puis tout nous pas gain dormi dans une la journée. Et puis dans l'idée pour renforcer stricti qui déjà mettait en place dans ville Port-de-Paix, il y a une délégation ministère défense qui gagne là-dedans 20 soldats, il y a un officier, 4 infirmières, il y a un médecin et 3 autres personnels sous place dans ville Port-de-Paix depuis dimanche 7 octobre là. Objectif là, c'est pour continuer porter assistance by population dans le département nord-ouest là. D'après sa youn responsable yo fè konnen, yo déjà fait évaluation dans 3 communes dans le département nord-ouest dans l'idée pour bien coordonner intervention yo sous terrain. Dans nord pays a qui frappé pendant passage tremblement de terre samedi 6 octobre là. Dans Plaisance, l'église Saint-Michel Archange affecté en pile, l'école mère officiré ak plusieurs cailles endommagées. Dans commune Pilate, l'église là ak quelques cailles dans ville là affecté. Dans la ravine Trompette, une section communale Pilate, plusieurs cailles détruites avec un pilote endommagé et puis l'école caille Père prend gros frappe. Une situation qui la gué tristesse car en pile monde dans commune Plaisance avec Pilate. Bâtiment sont là que ouais que son bâtiment gagne 12 salles de classe là-dedans. Et il gagne 8 salles de classe qui fonctionnelles, gagne yon participe pour personnel administratif là, gagne yon bibliothèque qui là-dedans, gagne salle professeur qui là-dedans. Pour classe ça yo non penser que pour semaine ça yo pas fonctionnel. Parce que n'a pensé, n'a réfléchi, mais pour l'autre classe, dès mardi prochain, que couille après prendre pour eux. Alors, mais première urgence que nous avons là, c'est jeter bâtiment. Démolition et bâtiment, et c'est ça que nous avons à ce que le gouvernement fait pour nous le plus rapide possible, pour nous capables de sécuriser les gens qui sont sous la cour. On a gardé l'église, on a gardé le presbytère là, et puis on a des dégâts qui sont faits dans l'église là. Nous avons spécialement la façade principale là, nous avons la partie supérieure là qui était supportée quoi là, et bien les mêmes sont tombés, toute muraille devant les fissurés, les rentrées de l'église encore toutes sont fissurées. Donc l'église d'administration, l'église qui vraiment n'est pas qu'à fonctionner. Si on a gardé dans l'état section trouvée, c'est vraiment triste. Nous avons environ 220 cailles qui sont endommagées, nous avons environ 20 cailles. Qui crasé, nous avons environ 15 personnes qui sont blessés, nous avons un pied cassé, nous avons une ceinture bloquée. Ça, si nous n'avons pas évalué ça, au moins nous avons vu la section est retrouvée. Délégué départemental Nord, Antonio Gilles, qui fait qu'on est, a commencé à recenser victimes dans Plaisance avec Pilate, dit le gouvernement en Paris pour accompagner. Yo. Nous avons deux communes qui frappent, qui sont Pilate avec Plaisance. Et côté que qui en pile qui est tombé et heureusement nous pas gagné perte en vie humaine et c'est ça qui est plus important pour nous et moi féliciter gouvernement qui fait tout effort possible pour envoyer aide by moun qui affecté yo et à travers m'a parlé de Atibonite avec eux et Nord-Ouest et moi t'ai parlé avec président dit que et gérer tout et des communes qui frappent yo et puis bal fait le connait exactement comment dégager et puis lui-même l'a fait suivi avec tout ministère intérieur avec tout et premier ministre là. La Tibonite Nord-Ouest et Nord, ces 3 départements ça yo qui gain communes qui frappent pendant passage tremblement de terre samedi 6 octobre là. C'était Richardson Jourdan depuis département Nord pays d'Haïti pour télévision nationale d'Haïti. Merci Richardson avec Richie n'a prêté sous dans même sujet ça. Pour nous faire connaître dans la commune de la République, là, Jovenel Moïse qui a annoncé l'administration l'a dirigée a déjà pris disposition pour porter assistance aux victimes de tremblement de terre qui frappaient 3 départements dans le pays a, samedi qui était 6 octobre là, dans un souhait. Dans l'idée pour permettre aide yo rivé joindre citoyens victimes, le chef de l'État a invité tout le monde qui voulait exprimer solidarité yo, bay sinistré yo.
contacter responsable direction protection civile. En suivant bout dans déclaration président Jovenel Moïse qui était dans micro Rodney d'Orléans. Comité national de gestion de risque des désastres qui sont comité permanent qui vient là dernier premier ministre, ça veut dire c'est premier ministre qui chef lui et ministre travaux publics, ministre santé publique, ministre planification, ministre défense et puis avec Croix-Rouge haïtienne. Comité ça a l'activé forme dit depuis hier soir et ministre santé publique qui lui-même rapport que me dégagne il était gain temps travail pour ouvrir ambulance aller dans nord-ouest et non seulement nous voulons parler de ambulance qui était gain dans département était gain ambulance qui sortit tout dans département Artibonite. C'est ça qui te permet évacuation blessé ou te fait rapidement dans ville Port de Paix pour aller dans l'hôpital qui était là pour sembler parler de l'hôpital Beraka que me remercier responsable et puis l'autre centre hospitalier qui est mis en ville Port de Paix que m'a remercier responsable tout et l'hôpital Immaculée Conception qui était servi et gon l'hôpital autrichien que me connais dans Saint-Louis du Nord qui te travaille tout pour te bailler gros coup de main dans ça qui t'est passé hier soir. Ministre travaux publics d'ailleurs nous ça t'a passé sur les réseaux sociaux depuis 3h20 du matin gagné un local qui était gon petit monde qui était emballé c'est un centre culturel qui est en Goumon, équipement travaux publics qui est arrivé sur place, qui est en sortie dans le département Atibonite, ça veut dire que je vais parler de direction départementale Atibonite, parce que Goumon est en ville dans le département Atibonite, mais qui n'est pas équipé d'engin lourd. Engin lourd est arrivé la nuit là, et pour arriver midi, moi je crois que nécessaire de en fait tout. Des comme des briques terrain dans centre ça ils ont été évacués et moi même pendant passage moi gros monde m'étais campé sur site là même un site que travaux publics qui en dedans comité national de gestion risque avec des assistants premier ministre était en bas instruction ni et travail yo yo été fait et m'profiter vous sympathie m'bay non seulement par une victime que m'étais visité Port de Paix, parents victimes que nous visitons Gomonio. Mais profitez-vous et sympathie par toutes victimes en général de catastrophes naturelles, ça, tremblement de terre, 5.8 ça, qui passait dans le pays. Hein. A bien plusieurs répliques que nous avons bien pour nous sentir, mais ce n'est pas ça qui peut faire pour nous prendre en panique. Pour gens ça qui est en fait dans Port de Paix là moi connais une quarantaine de monde qui vient en blessé qui l'hôpital pas demandé nous pour nous camper calme nous parce que tremblement de terre là sont catastrophes naturelles que lié l'état au plus haut niveau lié avec nous nous mêmes à ce moment là c'est pour nous camper calme nous pour nous capable gérer moment difficile ça ensemble et m'a profité dit à tout partenaire technique et financier nous que premier ministre là sous instruction par moi, demain, il y a pour rencontrer tout le monde pour que planification bien faite, pour ne pas avoir cacophonie, pour ne pas avoir duplication dans l'intervention qui est faite dans la zone qui est affectée. Pour que l'intervention soit faite, pour être bien coordonnée, pour que c'est protection civile qui lui-même en charge à travers Koun, Koud et Kouk qui est à travers le pays. Pour nous dire, parce que pays, c'est pour nous dire aujourd'hui, nous gagnons en l'État que nous avons goûté pour nous mettre au service du peuple. Seul gens pour nous renforcer, c'est le tout ça qu'a fait l'État lui-même, il prend responsabilité et il est au courant pour arriver à jouer le peuple réellement. N'a prêté dans l'ordre l'idée ça ensemble avec Premier ministre Jean-Henri Séan qui rencontrait partenaires techniques et financiers lundi 8 octobre.
Discussion yote chita sou ensemble mezik apran pou accompagner victime tremblement de terre 6 octobre yo, kote 15 moun mouri, 333 lot blessé ak 168 ka écrasé d'après bilan yo. Nan l'idée pou pote soutien bay moun ki victime yo, chef gouvernement fè konnen li même ak président Jovenel Moïse te visite plusieurs zones ki touché. On suit. Depuis ça passé samedi, nous t'ai dépêché des groupes sur les lieux même le même samedi soir et le lendemain président de la République là avec moi et en bonne partie gouvernement nous t'ai rendu sur les lieux et là nous t'al visiter mon nous t'al visiter parents et mon qui mouri yo nous t'al regarder nous t'al visiter l'hôpital yo nous t'al regarder comment travaille la marché vu que t'ai gagné des monde qui te prend devant l'armée était là la police et toute structure l'état les unités importante de l'État était présente et c'est ainsi que nous arrivés porter secours qu'il fallait à tout le monde qui était victime de la violence. Donc nous avons dit rapidement, nous avons gagné 15 personnes mourir, 15 décès, nous avons gagné 333 blessés en tout, nous avons 168 maisons, 168 cailles qui écrasées, nous avons 2280 cailles endommagées et 2440 familles victimes. Donc là, nous pensons, après que l'État, le gouvernement, fin prend décision, pour lui-même premier secours, c'est nous-mêmes au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et des autres ministères qui ont fait ce travail qui était pour faire au cours de la nuit, du samedi au dimanche, pour nous porter support à peuple haïtien. Donc, maintenant, nous avons le président qui a passé des instructions pour que nous soyons capables de travailler sur la question tant du point de vue conjoncturel que du point de vue structurel. Et c'est dans le cadre de ça. Nous t'ai dit, faut nous rencontrer bailleurs pour nous parler avec eux. D'ailleurs, présenter au bilan et montrer ça nous-mêmes nous fait en tant que haïtiens, en tant que gouvernement haïtien, comment nous t'ai réagi, comment arriver nous-mêmes pour des solutions. Mais maintenant, planifier la question structurelle et introduire nous-mêmes dans le champ d'activité que nous avons fait. Donc, c'est pour ça que maintenant, il était important que nous t'ai rencontré les bailleurs. Nous rencontrer les bailleurs à un premier niveau et maintenant, nous allons rencontrer les ONG. Parce qu'il est important pour nous rappeler tout le monde que le gouvernement ça a gagné l'autre genre de bail. Nous avons des structures qui campaient et très souvent, nous chita et bien nous quittons la catastrophe privée, nous quittons une quantité de monde déployé et sans orientation du gouvernement, chaque monde a fait affaire par eux et nous pas porter très souvent résultat pour nous porter. Cette fois-ci, nous décidons que le gouvernement a le leadership de ça qui vous faites. Que le gouvernement avec structure que vous gagnez au niveau du Conseil national de gestion des risques et des désastres, au niveau de la protection civile, au niveau des coun, du coun, au niveau des coudes et des coques, nous décider Napkembe leadership là avec l'accompagnement de la communauté internationale. Ça que t'es qu'on fait yo, avec l'expérience que nous prenons, surtout en 2010, côté que nous avons un paquet ONG qui déployait sous terrain et personne ne va savoir qu'est-ce qu'on a fait. Nous ne voulons pas continuer dans ce système ça. Et c'est pour ça que le gouvernement ça a décidé, avec instruction président, que nous prenons le travail. Nous prenons le travail avec accompagnement et bailleurs et ONG. Mais ça va le faire nos disciplines qui pourront démontrer clairement que nous décidons nous-mêmes de travailler avec eux, mais que le leadership l'a prêté dans le gouvernement haïtien. Qui s'en a fait aujourd'hui? Nous avons un déploiement qui fait dans différents départements pour nous vérifier. Après que nous finissons de faire relever. Avec, à travers la protection civile de dégâts. Mais nous croyons qu'il y a une série de paramètres pour nous tenir compte de eux. Parce que nous avons décidé pour nous faire gestion de la population, tant du point de vue physique que nous sommes capables de faire depuis les 48 heures, mais du point de vue psychologique de la population. Je dis à gagner une sorte de psychose de peur des mondes, des jeunes surtout, des élèves. Des étudiants qui peuvent rentrer dans la faculté, qui peuvent rentrer dans l'école, alors nous t'ai décidé. Non seulement avec le travail que nous allons faire au niveau de la presse, mais ensuite avec les gens nous détachés qui sont dans l'EPPLS, dans la voie 3 nationale, pour aller vérifier l'état de l'école, surtout côté qui frappait très dur, pour aller vérifier l'état de l'école, et côté pour nous mettre des abris provisoires pour nous continuer le travail, nous allons le faire. Cela va se poursuivre aussi dans tous les départements. Même si le département n'a pas touché aussi fort, mais nous voulons bailler tout le monde sérénité et que la vie continue, j'en lié à pour personne pas peur, personne pas paniquer. Secrétaire d'État communication, Eddy Jackson Alexis.